allez-vous mes chers Millimilo? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Comme vous l'avez vu précédemment sur ma chaîne, j'ai déjà réagi à deux titres du grand artiste, attention à comment je le prononce, Halfai, d'ailleurs je vais m'abonner tout de suite là, Halfai Rêve. J'ai énormément apprécié les concepts, le message apporté par les deux précédentes vidéos. Grâce à mon cher papa Bernard, j'ai fait... C'est magnifique, magnifique, il n'y a pas de mots. On m'a demandé également dans les commentaires si je pouvais réagir au titre qui est sorti en octobre 2021 qui se nomme The Spirit of Papua et c'est en feat avec Noella Mikelia, Epo Fenomeno et Funky Papua. Désolée si je prononce très très mal, vous savez que je suis très très nulle en langue. Les personnes qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas, ben maintenant vous le savez. Si vous entendez beaucoup de bruit d'or, c'est que nous essuyons ici en Belgique une grosse pluie, une grosse tempête. Donc on va avoir de la pluie en abondance et de la grêle apparemment et des gros vents. Donc pour les Belges qui me suivent, soyez prudents s'il vous plaît. C'est parti, donc on va découvrir ce nouveau morceau maintenant. J'ai hâte rien que de penser au visuel déjà des deux précédents MV. J'ai hâte de voir celui-ci les gars. Oh, encore de la forêt, waouh. Animation Studio. C'est trop beau la forêt. Moi quand je suis dans la forêt, je me sens tellement bien. Encore une fois, bien présenté de... Oh, c'est trop beau. Bon, il y a... Oh. Wow. C'est encore pour montrer l'Indonésie, je suppose. Hein? Oh. Hmm. Wow. C'est dommage que j'ai pas accès aux sous-titres. Je sens que je vais adorer. Il faut que je shazame tout ça. Il faut que je shazame tout ça. Je dois shazamer. Oh, c'est trop beau. Oui, j'ai trouvé. Oh. On ne sait pas avoir l'album sur iTunes. Il faut que je regarde ça après. Absolument. Le A. Pourquoi un A? Hein, peut-être le A papa hier, c'est comme ça? Allez, je... Oh, sa voix! Waouh! Waouh! Trop beau! Waouh, avec les effets et tout, c'est... L'animation est superbe. Oh, c'est comme s'il était une rechercheuse, une archéologue qui doit essayer de retrouver quelque chose. Je pense que, oui, énorme gros coup de cœur pour cet artiste et par ses productions. Sa musique est vraiment canon, quoi. Oh, petite guitare. Ok, elle fait l'étude des eaux. On dirait qu'elle va essayer de retrouver des armes. Microphone to react against. We are the king for the land to one day.
Wow, les paroles. Là, en fait, ils ont fait une traduction russe, donc j'ai fait une traduction automatique pour le français. On parle encore une fois de la tristesse, de la sécheresse du pays, hein. On dirait. L'escroissance. On chante beaucoup plus dans ce titre-là, j'ai l'impression. Wow. Même ses peintures traditionnelles sur son visage vraiment sont magnifiques. Elle est... Wow. Oh, c'est trop cute. Ce solo de guitare magnifique. Le drapeau qui est très symbolique, hein, pour chaque pays, hein. Papoua, est-ce que c'est une sorte de dieu dans leur culture? Un esprit bienveillant? Comme si la nature reprenait ses droits, tout simplement. J'aime beaucoup la transition qui a eu lieu là. Il y a une étoile qui est apparue. Et... Oh. Papa. Ou alors ça veut dire papa? L'esprit du père, un truc comme ça? Alors c'est sans appel, c'est vraiment énorme gros coup de cœur pour cet artiste. J'aime énormément ses titres parce que t'as vraiment ce côté techno, mais ce côté traditionnel aussi dans cette chanson. J'ai un peu vu les paroles, mais c'était très 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 mal traduit. Donc je suppose qu'on parle encore une fois de tout ce qui se passe dans le pays, etc. J'aime encore énormément qu'on montre la culture d'une différente manière. Je suppose que c'est encore pour l'Indonésie, mais peut-être que je me trompe, hein. Donc soyez indulgents s'il vous plaît. Mais j'aime le fait qu'on montre vraiment ces cultures diverses et vraiment leur danse traditionnelle, leur tenue également traditionnelle, mais également la peinture. Je trouve ça juste magnifique, beau à voir, tu as des frissons, tu es immergé carrément dans cette MV avec cette chanson et leur voix qui apporte cette douceur et cette émotion en plus. Vraiment parfait, vraiment parfait, parfait, et j'adore. Franchement, si vous avez d'autres suggestions et que j'ai le temps, je suis preneuse. Je veux vraiment réagir à beaucoup beaucoup de choses de ce grand artiste. C'est vraiment un très très grand artiste et surtout ce, tu sais qu'il dirige tout ça parce que tu vois qu'il est le directeur de tout ça. C'est canon. Franchement, waouh, 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 les gars. J'ai peut-être versé mes petites larmes, mais ce sera pas maintenant. Non, 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 non. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout comment vous avez été transporté carrément là-bas avec cette culture superbe et vraiment ses dents, ses tenues et même la chanson si vous l'avez appréciée. Moi, je vous fais d'énormes, d'énormes gros bisous. Surtout, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu est ma personne préférée. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye, sayonara. Jadilah juara tanpa banyak keluh, kita semua adalah juara baru. Why do my mind the fire? Why do my mind the fire? Bila dong tanya
Spider-Man a castado.